Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, du 16 au 30 plus précisément. On va aller voir donc les conseils des guides, les énergies, les messages pour vous pour cette deuxième quinzaine. On commence par les énergies principales et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement aussi dans les tirages. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est tout à fait normal, les énergies ayant beaucoup travaillé. Je n'ai pas échappé à la règle, donc moi aussi, j'ai eu le droit à mes informations de la part de mes guides qui m'envoient vraiment dans une autre direction, dans une autre façon de canaliser. Donc je vous laisse découvrir tout ça, bien entendu. Alors les énergies principales sont très favorables ici. Puisque nous avons la carte de l'arcane sans nom avec le 4 de bâton. Me diriez-vous, favorable? Oui, avec la carte de la mort dans le tirage, vous pourriez être sceptique. Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que là, la carte de la mort ici va vous annoncer qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors c'est intéressant parce que la première chose que je vois ici, c'est j'ai quelqu'un avec un marteau, des planches, et puis il y a une cabane qui s'est construite, une petite fille qui est joyeuse. Donc ça peut être la fin de travaux dans votre logement, dans votre lieu professionnel, qui se mettent en place là pour cette fin d'avril. Mais pas que. Les travaux, ça peut être aussi de façon très imagée, c'est-à-dire qu'il y a très certainement peut-être des choses en vous que vous êtes amené à transformer. Parce que la carte de la maison, très souvent, peut symboliser aussi notre façon, notre corps, notre être tout entier. On dit souvent que quand on rêve d'une maison, il suffit de regarder comment est la maison parce que ça nous fait refléter l'image de comment nous nous voyons. Et bien la maison ici, ça peut être en effet des choses que vous avez besoin de réparer à l'intérieur de vous, mais que vous faites en fait. Fin avril, là, c'est vous réparer des choses à l'intérieur de vous, ce qui amène cette énergie de transformation, cette énergie de changement. Donc, en effet, vous êtes peut-être amené donc à réparer des choses, à réparer des blessures, à panser des blessures, mais pas que. Ça peut être aussi une autre façon de voir les choses, une autre, toute autre façon de penser, de voir le monde, une nouvelle spiritualité. Moi, j'ai cette notion-là de vraiment qu'il y a des choses que vous rénovez aussi à l'intérieur de vous. Alors c'est intéressant parce que avec les énergies qui sont très très fortes en ce moment, les guides disent que en fait on a eu beaucoup de libération avec toutes les énergies depuis 2019-2020. On a beaucoup libéré, il y a eu beaucoup de nettoyage énergétique, etc. Et qu'aujourd'hui un petit peu on est comme un nouveau vase, tout neuf, tout prêt à contenir à nouveau quelque chose de beau. Et en fait, bah, c'est ce que vous êtes amené à faire là fin avril, c'est-à-dire que intérieurement. Eh bien, vous avez fini les rénovations, et bien maintenant, on va être amené à se demander, eh ben, qu'est-ce que je veux mettre de nouveau et de positif à l'intérieur de moi? Est-ce que je veux reprendre des choses de mon passé qui, finalement, n'étaient peut-être pas satisfaisantes ou alignées à moi? Ou des pensées limitantes, des croyances limitantes? Est-ce que je veux encore me remplir de ça? Ou bien, est-ce que, finalement, je me remplis de mon nouveau moi? En allant vraiment vers quelque chose, vers de nouvelles façons de voir, vers de nouvelles façons de penser, d'agir, et surtout vers quelque chose de plus lumineux, bien entendu, à l'intérieur. Alors, ce que l'on me dit aussi, c'est que derrière la carte de l'arcane sans nom, j'ai aussi le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on va nous parler en effet d'union, de partenariat, de mariage, de pax, de contrat. Donc, c'est quelque chose avec la carte de la finalité. Alors, il peut être question... J'ai deux messages qui peuvent paraître contradictoires. Donc, vous allez prendre ce qui résonne dans votre situation. Pour certains, on me parle justement qu'il y a un contrat, un partenariat, une union, une association, à vous de voir, qui amène une transformation dans le concret. Avec le 4 de bâton, on est aussi dans quelque chose qui est concret, qui se matérialise. D'accord ? On peut être en effet aussi sur un CDD qui se transforme en CDI pour certains. Tout à fait, on est sur de la solidification. On peut être aussi sur un couple qui a des nouveaux projets de transformation pour son quotidien, comme par exemple acheter une maison, un appartement, avoir des enfants, à vous de voir. Ensuite, il est aussi question, alors je sais que ça plaira peut-être pas à certains, d'un contrat ou d'une union qui se termine. Mais c'était quelque chose qui, j'entends, était déjà prévisible. C'est quelque chose que vous avez senti venir, peut-être, en effet.
mais qui va amener derrière, avec le 4 de bâton, plus de stabilité. Ce que j'entends, c'est que ici, on est dans un partenariat, un couple, un contrat qui était peut-être très... comment je vais vous dire ça? Très conflictuel, vous voyez? C'est quelque chose qui n'était pas aligné. Vous le sentiez au niveau des énergies, ça peut être un travail qui ne vous plaisait pas, un contrat où finalement les contraintes étaient beaucoup trop importantes, où l'ambiance n'était pas terrible. Ça peut être un couple qui a tout fait aussi ici pour sauver les meubles ou essayer de s'en sortir, mais qui n'y arrive pas et ça reste conflictuel. Mais justement, on va vers quelque chose qui est plus... comment je vous disais, plus stable au niveau aussi émotionnel et plus stable dans la matière, parce que des fois, il est mieux de se séparer en bon terme plutôt que de continuer de se déchirer en étant ensemble. Que ce soit pour un couple ou un contrat, bien entendu aussi. Parfois, il est mieux de ne pas poursuivre un contrat et puis aller faire autre chose, trouver une autre entreprise, etc., plutôt que de se ruiner la santé ou le moral dans une situation qui ne vous convient pas. Mais ça, c'est vraiment... j'y mets un bémol sur ce ressenti-là, parce que j'ai vraiment pas cette sensation que ça va convenir à beaucoup de personnes. Pour moi, le plus gros message que je reçois, c'est au contraire quelque chose, une association avec quelqu'un, un nouveau contrat, au contraire, qui amène une transformation. Et par exemple, pour des couples, au contraire, une transformation dans le concret. Mais quand je reçois des messages qui sont pas forcément à première vue positifs, c'est vrai que j'évitais jusqu'à présent de les donner, mais je trouve quand même que, vu qu'on me les donne, c'est que c'est important de le savoir, parce qu'il est peut-être question que quelqu'un a besoin aussi de savoir que derrière, c'est pour quelque chose de plus solide. Alors voyons voir, le tarot des fées, eh ben nous avons les amants. Donc les amants, en effet, on nous parle de couple, d'amour, d'union, de partenariat, de mariage. Donc pour certains, en effet, il y a vraiment des associations, des partenariats qui vous permettent en tout cas d'amener une nouvelle énergie dans votre quotidien. Avec la carte des amants, on est aussi sur un choix. Sur un choix, une décision qui est à prendre. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que ce choix et cette décision sera à prendre avec le cœur. Et enfin, bah oui, recouvrer une bonne santé. Pourquoi ? Parce que derrière ce choix et cette décision qui sera prise, il y a une sorte de soulagement, j'entends, qui va venir un petit peu vous apaiser au niveau du mental. Donc forcément que le corps, bah derrière, quand on est trop stressé, le corps, il morfle un peu. Et au final, eh ben, ce qu'on vous dit ici, c'est que plus l'esprit va s'apaiser après cette décision, parce que les choses deviennent beaucoup plus claires et plus floues du tout, eh bien, forcément que le corps s'apaise également. Alors, voyons voir ici, nous avons le lion. Eh ben oui, on vous demande force et courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Alors, les émotions négatives, c'est pas forcément un état émotionnel. Bien sûr que si quelque chose se termine ici pour plus de solidité plus tard, le lion va vous aider à voir le positif dans une situation qui peut être négative. Mais pas que. Ici, les émotions négatives, ça peut être justement ces pensées limitantes, ces croyances, ce mental qui revient un peu à la charge quand une décision doit être prise ou qu'un choix doit être fait. Que la vie est sur le point de se transformer pour vous, bah le mental, lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouh là 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 là, je ne sais pas dans quelle direction tu vas, je ne sais pas ce qui est prévu pour nous, mais je ne suis pas sûre que ce soit certain d'être la bonne solution. Mais le cœur, lui, il a envie d'y aller. Donc c'est pour ça que le lion va vous demander aussi le courage d'écouter davantage votre cœur, parce que là, on a des choix du cœur à faire, et le courage de laisser votre mental de côté. C'est très important. Ok, désolé pour la petite coupure, j'allais tomber en panne de batterie, donc il a fallu que j'aille changer la batterie pour être sûre de ne pas me rendre compte à la fin de la guidance que ça avait coupé. Alors voyons voir, on va voir les énergies sur le plan professionnel ou de vos activités. Nous avons la carte du pendu ici. Alors en effet, par rapport à votre vie professionnelle ou à vos activités ou vos études, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez, on vous invite à plusieurs choses. Ça se rejoint un petit peu ce message-là. C'est-à-dire qu'on vous invite à changer de vision, changer de façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai quelqu'un
qui n'est pas tourné vers le passé, parce que ce pendule-là n'est pas tourné vers la gauche. J'ai pas quelqu'un qui est dans l'instant présent, j'ai quelqu'un qui est plutôt tourné vers l'avenir. Donc ça peut être quelqu'un ici, dans vos énergies, on vous invite à vous tourner vers peut-être le long terme, vers le futur, vers qu'est-ce que vous souhaitez pour vous un peu plus tard. Par exemple, dans un an, comment vous vous voyez ? Est-ce que vous vous voyez toujours là où vous êtes actuellement si vous êtes si vous êtes au niveau du travail? Est-ce que dans un an vous vous voyez aussi salarié si jamais vous cherchez du travail? Est-ce que vous vous voyez en retraite, bien occupé si vous êtes à la retraite? Eh bien on vous invite finalement, j'entends, à visualiser ce que votre situation dans quelques temps. C'est histoire en fait qu'on me dit d'attirer. La loi de l'attraction, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de loi d'attraction et on vous dit que en vous focalisant sur un objectif, sur le court comme sur le long terme, vous allez pouvoir amener cette énergie positive. Alors ce que l'on vous dit aussi, c'est que si vous avez un objectif sur le long terme, les guides me disent, n'hésitez pas non plus à mettre des petits objectifs sur le court terme, parce que quand on a un objectif que l'on veut atteindre mais qui sera là que dans un certain temps, il peut être question de découragement, voire de frustration, parce qu'on ne voit pas l'objectif arriver, alors qu'on avance, mais on ne voit pas concrètement dans la matière cet objectif. Par contre, si vous vous mettez un petit objectif par petit objectif, comme un pas après l'autre de toute façon, eh bien ça va vous permettre que quand vous avez atteint le premier objectif, vous éprouvez un sentiment de satisfaction vis-à-vis de vous-même, et donc forcément, vous êtes motivé pour la suite et vous vous dites, j'avance, vous voyez? Donc, si vous avez, par exemple, pour objectif de changer d'emploi, eh bien, faites des petits objectifs petit à petit. Par exemple, vous dites, cette semaine, je vais commencer quelques recherches sur qu'est-ce qui m'intéresserait. Si je sais déjà ce qui m'intéresse, est-ce que je vais faire des recherches sur est-ce que j'ai possibilité d'accéder à une formation qualifiante, etc. Est-ce que Pôle emploi peut m'aider? Patati, patata. Et puis, vous allez vous mettre des objectifs comme ça, sur le court terme. Et quand un objectif sur le court terme est réalisé, eh bien, vous aurez vraiment cette satisfaction du travail accompli. Par exemple aussi, si vous recherchez du travail, par exemple, ça peut être aussi, aujourd'hui, j'envoie, 5 lettres de motivation et des CV, je démarche 5 entreprises, et puis la semaine prochaine, j'en ferai 5 autres, etc. Ou alors, aujourd'hui, je vais rédiger le brouillon de mon CV, je le mettrai au propre demain, et puis vous voyez, vous faites des petits objectifs. Si par exemple, le fait de partir à la retraite, ça peut être aussi, alors je sais, pour avoir mes propres parents, par exemple, qui partent à la retraite, c'est très fastidieux, le dossier à monter, beaucoup de documents à scanner, donc peut-être qu'en effet, vous pouvez faire un petit peu tous les jours, vous vous mettez genre un petit tas de feuilles, vous dites, je fais ça dans la journée, puis demain, je ferai celui-là, etc. Et puis, comme ça, vous vous mettez un objectif sur le long terme, mais qui passe par des petits objectifs, et comme ça, il y a vraiment une satisfaction, et vous avez vraiment cette sensation d'avancer. Si vous êtes déjà à la retraite, ça peut être quelqu'un qui a envie de mettre en place une activité ou qui a envie de faire des activités. Donc ça peut être, cette semaine, je vais essayer de voir parmi ce que j'aime bien faire, est-ce que j'ai possibilité de mettre en place une activité, d'aller assister ou de mettre moi-même en place. Ça peut être aussi, si j'ai du monde à voir, cette semaine, je peux peut-être me caler dans l'agenda, telle personne à aller voir, etc. À vous de voir maintenant comment ça vous parle. Ok, je bois juste un petit coup. Avant que mon thé ne soit froid. Allez, pour les Capricornes, on va compléter cette carte pour le professionnel ou les activités. Et on va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. L'As de denier. Bon, ici, très clairement, pour vous, ceux qui sont en activité professionnelle, il y a bien, en tout cas, un début prometteur. Alors, ça peut être quelqu'un qui commence un nouveau contrat. Vous êtes déjà dans ce contrat-là et vous débutez ce contrat. Mais c'est très prometteur. C'est ça aussi que ça signifie avec l'As de denier. C'est qu'il y a une nouvelle opportunité financière, d'évolution. Il y a quelque chose, en tout cas, qui... Il y a une jolie promesse derrière, j'ai quand même le pendu qui est tourné vers l'avenir. Donc ici, il y a vraiment cette notion de j'ai quelque chose qui commence dans ma vie professionnelle et c'est prometteur. Ça va m'amener en tout cas dans le futur ou sur le long terme, à moyen ou à long terme, de belles avancées.
L'as de denier, ça peut être en effet aussi un apprentissage. Donc il est peut-être question, dans votre travail, d'aller apprendre à quelqu'un, par exemple, quelque chose. Donc vous êtes peut-être amené à former quelqu'un. Ou bien ça peut être aussi vous qui êtes amené à faire une nouvelle formation parce que vous voyez un petit peu plus loin au niveau de votre entreprise et vous vous dites, bah tiens, avec cette formation, peut-être que dans un an, je pourrais accéder à tel poste et que ça serait bien parce que là, il y a l'opportunité de la faire et au moins, elle sera déjà faite. Vous voyez un petit peu? Donc ici, en effet, il peut y avoir des apprentissages, des formations, pourquoi pas. Enfin, il est aussi question, bah, on est quand même sur du denier, donc il est quand même question d'une prospérité financière qui se met en place par rapport à quelque chose dans votre travail ou par rapport à votre entreprise. Mais voilà, avec la carte du pendu, vous êtes amené à voir les choses sous un autre angle. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes pour cette fin avril ? Eh bien, vous avez le 6 de denier. Donc, on est encore dans les deniers. Hein. Alors, le 6 de denier, lui, il va vous partager... Bah oui, ça symbolise le partage, bien entendu, le 6 de denier. Donc, ça peut être aussi d'être dans le partage. Alors, comme je vous disais, quelqu'un qui serait à la retraite est amené éventuellement à partager des moments avec les autres pour pouvoir avoir une vie sociale, pour pouvoir voir... Vous avez besoin de voir du monde ici. Ensuite, ici, on est dans le partage, pourquoi pas aussi un partage d'entreprise ou un partage de cabinet. Ça peut être ça pour certains, surtout si quelqu'un cherche ici. Le 6 de denier, plus précisément aussi, c'est de nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités, peut-être plusieurs, hein, et vous allez être amené à écouter un petit peu. Alors, c'est marrant parce que j'ai un bison ici qui apparaît, je sais pas, j'entends... vous savez, bison futé, c'est pas une carte, normalement géographique pour on suit bison futé, vous savez, pour trouver son chemin, etc. Et ben en fait, c'est ce que j'ai l'impression ici aussi. En étant dans le partage, vous êtes peut-être amené à demander de l'aide à d'autres personnes, à demander de l'aide à vos guides, à demander de l'aide à des personnes autour de vous qui peuvent être de bons conseils. Et on me dit que ils seront à même de vous indiquer la bonne direction. Donc, à partager vos ressentis aussi, à partager peut-être ce que vous cherchez, à demander autour de vous, eh bien, vous pourriez finalement réussir à arriver à vos fins. Ici, j'ai quelqu'un, en effet, qui avait envie éventuellement de... avec cette carte du pendu, moi, ce que j'entends, c'est que vous étiez peut-être à vouloir faire tout seul, toute seule, ne pas trop déranger, ne pas oser demander de l'aide. Alors que là, on vous dit, ben non, change de point de vue. Au contraire, peut-être qu'en demandant cette fois-ci de l'aide, en parlant autour de toi, des solutions vont émerger et de nouvelles opportunités également. Pour certains aussi, on va me parler de dons ici, de capacités, hein, avec le 6 de denier, de dons que vous avez aussi et de partager surtout les dons que vous avez. Donc, ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être amené à changer, à switcher peut-être en effet. Hein, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il est aussi possible, comme je vous disais, qu'un contrat se termine pour certains et que ça soit l'opportunité pour vous, cette période d'inactivité professionnelle, de mettre à profit vos capacités, vos dons pour vous lancer dans quelque chose d'autre, dans la construction d'un nouveau projet, pourquoi pas. Alors, le financier, le matériel nous parle de l'empereur. Donc là, c'est plutôt stable ici. On me parle de structure, on me parle de réussite. On me parle en tout cas de quelque chose de stable. Donc sur le plan, surtout qu'on est sur un chiffre 4 encore une fois. Donc sur le plan matériel et financier, il y a une certaine stabilité qui se met en place. Mais alors, on me dit qu'elle ne va pas se faire toute seule, cette stabilité, parce qu'elle va passer par une... Je sais pas pourquoi j'entends construction. C'est un petit peu ça, construction, mais planification. Parce que pour construire par exemple cette cabane, il a fallu peut-être faire un plan avant. Et bien là, sur le plan matériel, financier, on vous invite à faire un plan. Si ça concerne les finances, et bien on vous invite à organiser peut-être votre budget, à regarder un petit peu plus près votre budget et essayer de le réorganiser en fonction de vos dépenses, de ce que vous avez besoin, etc., du nombre que vous êtes dans la famille, etc. Pour d'autres, ça va être au contraire le fait de construire, j'entends, éventuellement un lieu de vie ou un lieu de travail. On est sur le mot qui symbolise aussi la structure. Donc ça peut être aussi
la concrétisation pour vous aussi d'une structure. Comme je vous disais, c'était peut-être la fin d'une construction, d'une maison ou d'un appartement ou la fin d'une rénovation. Et là, bah, on est aussi dans l'arrivée dans la matière de cette structure. Alors, le relationnel sentimental. Le relationnel sentimental, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il est juste et il est équitable dans ses relations. C'est-à-dire que vous êtes amené avec cette énergie du roi d'épée à être juste. Alors, attendez, comment je vais sortir ça? Parce que c'est un ressenti aussi. Ce que l'on me dit, c'est qu'il vous allez être amené éventuellement à regarder autour de vous les relations qui se passent. Et vous allez être amené à vous demander si telle relation est juste pour vous et juste pour l'autre, et etc. Et vous allez être amené peut-être, avec ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a le pouvoir de décision, vous allez être amené à décider. Le roi d'épée, comme je vous disais, c'est quelqu'un aussi qui a le pouvoir de décision. Donc ça peut être aussi un verdict qui tombe par rapport à quelqu'un qui est assermenté. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, mais en tout cas, il y a une décision qui tombe. On peut être aussi sur la décision qui est donnée par un patron, pourquoi pas aussi, par rapport à une demande que vous avez faite. Alors, complétons. Pour les célibataires, Capricorne, sur le relationnel, fin avril. Oups là, elle a sauté, hein. 4 de deniers ici. Vous avez énormément de deniers, hein, les Capricornes, hein. Vous en avez un ici. Vous en avez un, deux ici et trois ici. Donc ça fait quatre deniers pour l'instant ici, en tout et pour tout. Donc on a vraiment cette énergie de concrétisation des choses pour cette fin avril. Vous allez commencer à pouvoir voir dans la matière certaines choses que vous avez mises en place par rapport à des choses que vous avez transformées dans le passé. Alors le 4 de deniers, lui, il va nous parler de se protéger, de trouver un équilibre également. Alors, pour les célibataires, bah, il est peut-être question d'être dans son pouvoir décisionnaire. Peut-être que vous vous protégez de personnes autour de vous, que vous vous protégez. Alors, ça peut être quelqu'un qui se protège en amour parce qu'il a un petit peu morflé dans le passé et que du coup, bah, on a envie de savoir où on met les pieds, mais pas que. C'est quelqu'un qui se protège éventuellement de beaucoup de choses. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être dans votre énergie du roi d'épée, c'est-à-dire d'être dans l'énergie de je décide, je prends des décisions pour moi, des décisions qui sont justes pour moi par rapport à certaines relations. Si une relation n'est pas juste pour moi, eh bien, je vais le faire savoir. Le 4 de denier aussi, c'est la stabilité dans la matière. On a quand même le 4 qui est déjà la stabilité et le denier qui symbolise aussi la matière. Donc on est vraiment vers quelque chose qui se stabilise dans la matière. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir pris des décisions. Aujourd'hui, vous maîtrisez vos émotions, votre mental. Vous ne laissez plus votre mental non plus vous dicter la loi un petit peu et vous suivez un petit peu vos émotions. Il y a une énergie beaucoup plus stable pour vous, les célibataires, là, pour cette fin d'avril. Ce qui pourrait d'ailleurs amener ben, quelque chose de positif dans la matière, comme une nouvelle rencontre possible. Mais je la sens pas la fin avril, cette nouvelle rencontre. Pour moi, vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. C'est dans la matière, vous décidez. Allez, les couples, eh bien, les couples, nous avons une princesse de deniers. Nous sommes vraiment sur les deniers pour vous, hein, très clairement. Alors, princesse de deniers, c'est le valet de deniers. Le valet de deniers va nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité pour les couples ici. Alors, ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle opportunité qui vous lie à quelqu'un d'autre. Mais c'est une personne, comme je vous dis, qui a un pouvoir de décision. Ça peut être un banquier. Alors, j'ai pas forcément les deniers, mais comme on est sur un valet de deniers, on est peut-être aussi sur un pouvoir décisionnaire sur le plan financier. Alors, ça peut être justement un nouveau projet de construction, de rénovation, d'achat de maison. Et ici, on dépend peut-être de la décision de quelqu'un. Ensuite, ce que l'on vous invite aussi, c'est que si vous avez un projet ici par rapport au couple, il vous est demandé avec le roi d'épée de savoir si ce projet est juste pour tout le monde, s'il est aligné avec votre couple, avec votre relation. La princesse de deniers, c'est quand même, donc avec le valet de deniers, comment dirais-je, une nouvelle énergie. Elle peut nous représenter aussi un déplacement. Donc ça peut être un couple aussi qui devait peut-être vous déplacer pour rencontrer une tierce personne ou pour prendre une décision.
C'est marrant parce que là j'ai une lumière qui apparaît au niveau du chakra sacré. J'ai l'impression que votre ventre peut vous parler ici par rapport à ce qui est juste et aligné avec vous ou qui ne l'est pas. Vous êtes pour certains d'ailleurs, pour certains couples, dans l'attente éventuellement d'une décision. Et d'ailleurs, ça vous met peut-être une boule au ventre, mais on vous dit qu'elle ne va pas tarder parce que là, le roi d'épée, c'est vraiment la décision qui arrive. Hein. Ok. J'essaye d'écouter s'il y a autre chose, mais on ne m'indique rien d'autre, donc je pense que nous avons fait le tour. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas une très belle fin du mois d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.